Bonjour. Non, j'avoue, il manquerait plus que ça tombe. Nous sommes partis nous balader un petit peu à Vendôme. Vendôme, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, c'est à quoi 30-40 km de la maison. C'est l'heure de goûter. Mais en tout cas, ça fait du bien de prendre l'air. Et il caille. Il fait quand même assez froid. Oh là là, le niveau de l'eau, c'est impressionnant quand même. Surtout qu'il y a plein de petites maisons comme ça tout le long des berges. Non, 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 je pose pas, t'inquiète. Regardez comme c'est joli là. Cette petite maison avec la rambarde et le début d'éclosion des fleurs. C'est dit que je voulais pas savoir. Le froid aura eu raison de nous. Ça aurait été de boire un petit chocolat chaud pour un cookie. Et là en plus tout est fermé, ça caille. Je pense qu'on va rentrer. Alors c'est fermé, mais ça a l'air très joli, je pense. On va bien se rendre compte. Hein? C'est quoi? Des hamburgers au fromage. Ouais. C'est drôle. Ah, c'est le mac and cheese. J'ai écrit comme ça. Mais l'intérieur, vraiment chouette. Bref, on ne voit rien. Bon, bah finalement, on est de retour. Là, on est sur le parking. Eric est parti chercher deux, trois petits trucs. Non, je crois qu'un truc même. Leclerc. Je voulais vous demander quelque chose. Je ne le demande jamais. Mais là, je me suis rendu compte qu'il y a 37%, ce qui est beaucoup, de personnes qui regardent mes vlogs qui ne sont pas abonnées à ma chaîne. C'est gratuit, il y a juste à cliquer. Et je sais que parfois, vous pensez être abonné, mais des fois, YouTube vous désabonne. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, donc vérifiez quand même. Pour moi, c'est quand même top pour l'algorithme. Voilà, c'est tout. Nous sommes donc le lendemain, c'est mardi. Hier, je vous ai pas dit, mais en fait, on était lundi, c'est ça. C'est pour ça, en fait, que tout était fermé. On aurait pu se balader plus, parce que c'est très mignon. Mais il faisait froid, vous savez, ce froid qui vient vous transpercer. Enfin, c'était pas du tout agréable. On est rentré, il devait être 18h30, donc j'ai pas repris la caméra. Et aujourd'hui, il fait très beau. On aurait dû switcher, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est bleu, enfin, c'est top. Et surtout, je pense que les choses auraient été ouvertes. En fait, mon programme est le suivant. J'aimerais beaucoup remettre de l'ordre, j'allais dire dans ma tête, bah ouais, du coup, ça va découler, dans la maison. Je me suis laissée envahir. J'ai beaucoup de mal à prioriser les choses et du coup à m'organiser. Je pense que ça joue beaucoup, le fait que je sois mon propre patron, qu'il y a plein de choses seules à gérer. Donc je suis toujours en mode, je vais faire passer ça en premier en fait. Est-ce que j'ai pensé à appeler un tel, à voir ça, à checker les stocks. Et tout ce qui est maison, parce que là vous ne le voyez pas, la maison comme ça, ça fait ranger. Mais à l'étage, c'est un bazar sans nom en fait. Il y a des cartons qu'il fallait que je range. Il y a des fringues que j'ai commencé à trier, mais c'est resté en stand-by. Ça va plus, quoi. C'est rien. En fait, il faudrait que j'arrive à me dire, voilà, tel jour, tu vas faire que ça. Prendre une journée, franchement, c'est faisable. Tu vas faire que ça. Et tu ne vas pas prendre ta caméra, tu ne vas pas prendre ton téléphone, et ça va le faire. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas. J'y arrive pas. Il faudrait. Et là, il est midi 20. Donc déjà, j'ai perdu la matinée. Je rêve ou j'ai cru voir ma maman passer. Voilà. Attends. Bon, comment vas-tu quand même? Oui, ça va. T'as plus trop petit, t'as mal au dos encore. Un petit peu là, ouais. Sur le côté, mais bon. Bon, elle aura ses résultats demain, de toute façon. Demain, faut attendre demain. Ouais. Bon, bah, on va manger. Ouais, ça c'est plus pour Eric quand même. Hein. Oui, moi, je me suis pris un sandwich comme. Ah, celui qu'on t'a pris quand t'étais aux urgences, là. Il t'a plu? Oh, mais il y a du choix. Mais c'est mais je t'ai dit, c'est top. Non, suffit maintenant. Comment tu veux, maman, que je résiste pas? T'as vu un peu ce qu'il fait? Il est trop mignon. Mon loupio. Voilà. Ma maman est partie. Il doit être 14h30. Moi, je me suis rajouté ça parce que j'avoue que le petit pull à trous, c'est limite. Et là, j'étais en train de réfléchir justement par quoi j'allais commencer au niveau de la maison. Je pense que je vais faire les vitres parce qu'il fait... C'est lumineux, donc c'est pas mal ça. Je risque de cailler, mais au moins, une fois que ça sera fait, je serai contente. Qu'est-ce que tu viens rôder ici? T'aimes pas la pomme, toi? Voilà. Je vais d'ailleurs tester, si je fais les vitres, le fameux chiffon où tu mets que de l'eau. Il paraît que ça marche super bien. Je ne l'ai pas encore testé. Installation. Ça, le fameux. Et c'est vrai qu'il a une surface assez particulière en damier.
si jamais ça vous intéresse. C'est donc la marque Éléphant Maison, vitre inox. Voilà. Ah, putain, je me rapproche pour que vous voyez un peu l'état avant. Surtout que j'habite quand même en ville, donc forcément, c'est beaucoup plus salissant. J'avoue que j'arrive pas trop à me rendre compte pour l'instant parce que c'est quand même en extérieur que c'est plus crade. Le problème, c'est que je suis obligée de faire des allers-retours. Ah ouais, là, c'est autre chose. C'est pas mal. Par contre, il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est la rapidité à laquelle ça se refroidit. Hein. Le truc, il était tiède. En 2-2, c'est joli. Vous savez quoi, j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal. Bon, déjà forcément il y a du dépôt, mais je verrai mieux tout à l'heure. Bon, je viens de faire les 3 1 2 3 fenêtres. Je reste un peu dubitative parce que ça enlève en fait les taches, mais ça laisse des traces et ils te mentionnent pas après ce qu'il faut faire. Le seul truc qu'ils te disent, c'est de pas utiliser ni de javel ni de d'adoucissant et de mettre que de l'eau tiède, mais en l'état, c'est chelou. Je vais essayer un truc. Je vais mettre du sopalin et je vais passer sur les traces. Bon, ok, ça va être plus de taf. Effectivement, quand après tu passes sur les traces, bah c'est mieux. Mais ça demande, wow, faut appuyer quoi. Là, je viens de la faire et je vois nettement la différence. Excusez-moi, petit bijou. Je suis en train d'installer mon escabeau. Je suis montée dans mon bureau pour faire la suite des fenêtres, mais bien évidemment, baby, il est à sa place. Ça te gêne si maman elle continue ici ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Pour les vitres, j'arrête. En tout cas, pour aujourd'hui. Franchement, ça va. Je suis quand même contente du résultat. Ouais, j'ai eu un appel pro qui a duré un bon petit moment. Du coup, j'ai dû écourter. En parlant de ça, de pro là. La box est encore en commande. J'aime bien vous le redire également ici. Nous sommes le 5 mars. Elle est en commande jusqu'au 10 mars. Je le rappelle, le thème, c'est tout ce qui brille. Je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. Ce qui va se passer, c'est comme je vous l'ai dit, tous les jours, on essaie de sortir un minimum. Pour la santé mentale, il faut se forcer. Parce que moi, je ne vais pas au boulot en voiture, je suis chez moi du matin au soir, donc je me dois de m'obliger quand même à sortir, même si c'est 5 minutes. C'est voir autre chose, c'est ressentir autre chose, et je pense que là, ouais, ça peut être pas mal. Je vais demander à Eric s'il veut venir avec moi, vu que lui aussi il reste quand même un bon moment devant son écran, et puis on avisera. Tu vois, j'ai bien fait de faire les vitres cet après, parce que là il pleut. Et à la base, on voulait aller marcher, mais je vous dis, il pleut. En même temps. C'est une sortie, hein. Il fallait à Leclerc. T'as quoi à voir, toi? Absolument rien. Moi non plus. Je suis venu pour être avec toi. Oh, c'est gentil. Ça moi, j'ai pris mon truc pour hier, pour ce soir. Ah oui, tu l'as, toi, c'est vrai. Là, je suis venu pour l'apporteur. Ah. Pour avoir le plaisir d'être avec toi, partager les moments. Ça te fait taire, ça, hein? Ouais. C'est pas quoi dire. Ouais, j'avoue. Il va être temps que j'aille faire un petit tour au coiffeur. J'ai bientôt fini mon roman. Il est pas mal. Il est pas mal, mais il reste que quelques pages. Je me suis trouvé un roman, Joël Dicker. C'est son nouveau, Un animal sauvage. En plus, il est grand, c'est très bien parce que je vous dis, j'ai beaucoup de mal à voir avec les pockets. Enfin, que je prenne un petit rendez-vous, je pense, chez l'ophtalmo. Et là, en fait, on voit un modèle de. C'est bizarre, une caméra, je pense, pour vlogger, avec tout intégré. C'est pas cher, c'est pas possible, la qualité doit pas être ouf. En soi, c'est joli, t'as le retour de caméra, t'as le micro, t'as le pied. Même ça, l'objectif, il a l'air canon, 219 euros. Moi, ma caméra de vlog, elle a coûté 700. Tu connais, toi, Agfa? Oui. Ah bon? C'est qu'ils font la pellicule depuis le milieu des temps. Ah ouais? Bon, un petit tour chez Intersport. Intersport, toute l'année, il y a des soldes. Mais jamais sur les articles qui t'intéressent. Alors, pas forcément. C'est les soldes perpétuels, mais sous un autre nom. Allez, Eric m'a offert je suis trop contente, un joli sweet, je vous montrerai à la maison. Eric me dit, si on a oublié des yaourts, il y a un tout nouveau Aldi. On va jamais chez Aldi. Et on va voir ça. Mais alors le truc, il est tout neuf. Je sais jamais la différence entre Aldi et Lidl. Aldi, je sais pas si c'est allemand, hollandais, je ne sais jamais.
franchement. C'est allemand. Ah bah, tu vois, franchement, là, je saurais te dire si c'est Lidl ou Aldi. Hein. Même là, tu vois, c'est exactement similaire. La présentation chez Lidl, c'est pareil. L'avantage, par contre, c'est qu'il n'y a pas de musique. C'est bien. Pour les droits d'auteur, c'est bien. Là, pareil, c'est le, on va dire, le coin des bonnes affaires où il y a plein de trucs. Centrale vapeur. Il est pas cher, hein. 49,90. Je crois qu'Eric a trouvé quelque chose. Ils sont bien, ceux-là. Ah non, ils ont l'air de glisser. Bon. Tu les as pas prises ? Des quoi ? Bah les friguns là. Non, je ne prends que les friguns Star Wars. Ah, et là c'était quoi ? C'est pas Star Wars. Si t'as pas un petit peu de rigueur, il y a le principe. petite cuillère. Petite cuillère, bébé, on aurait pu les prendre à Leclerc. Non, il y en a pas. Ah bon ? Regardé. Et t'as trouvé tes yaourts ou pas ? Parce qu'à la base c'est pour les yaourts. Quand je pense que c'est... Impressionnant cette boîte. Je m'étonne. Quoi, il y a un lapin au chocolat, toi tu dis non ? T'as déjà mangé un lapin au chocolat ? Ouais. T'avais pas besoin de yaourt ? J'ai jamais besoin de rien. Ah bah oui, mais ça m'étonnait encore. Bon, bah voilà, c'est ni plus ni moins Lidl, quoi. Oui, Biou. Alors, on voit pas bien, là, si. C'est la nouvelle collection homme, mais on s'en fout. C'est la couleur qui me plaît. J'ai pas de suite de cette couleur olive. Donc c'est Puma. Forcément, j'ai pris taille S, mais il est un peu grand vu que c'est homme, mais j'adore. En plus, il est pas trop épais, pas trop... léger non plus. 54,99. Mais c'est quelque chose que je vais mettre. Et en plus, il est bien, il arrive là au niveau des fesses. Enfin, j'adore. Comment ? Franchement, il est magnifique. Ben, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est confortable ? Ouais, il a juste sous les fesses. Là où tu vois que c'est un modèle homme, c'est que bah, il ne cintre pas, mais on s'en fout. Mais sur vêtements, c'est jamais été homme. Mais bien sûr. Non, là, c'est, elle m'a dit, Lana, c'est collection homme, mais c'est très très bien. C'est la fonction qui compte. Ouais. Ah non, je suis contente. Merci. Et oui, pour l'appareil photo, du coup, on n'a pas trouvé de test et tout, mais c'est pas possible. Combien il était ? 200 ? 219. 249 à la Non, bon, moi, c'est la caméra de vlog, celle que j'ai, c'est ce qu'il y a de mieux. En tout cas, il était beau. Bon, maintenant, c'est vrai que on part du principe que très bon, un truc à 250, c'est moins bon. Moins bon qu'un truc à 700, ouais. 700, 699. Mais enfin, c'est trois fois moins cher. Bah, bien sûr. Attends, mais... Mais, vu qu'on n'a pas la certitude, ouais, je sais. On suspend notre jugement. Et donc, ouais, ça, je finis le mien, je pense franchement c'est très bientôt. C'était quoi moi le mien, celui que je regarde ? Il est pas mal, mais je n'ai plus le mot popcorn. Mais je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on a pris à Leclerc ? Bon, on a pris une petite tradie pour demain matin. Et... c'est tout, c'était vraiment histoire de prendre l'air. Et bah, je vais arrêter aussi ce vlog maintenant. Ce qui va se passer, c'est que je ne pense pas publier vendredi de vlog, mais soit samedi, soit dimanche, dans tous les cas. Suivez-moi, comme je vous ai dit, sur Insta, parce que là, je vous tiendrai au courant. Mais c'est prochain vlog samedi 18h ou dimanche 18h. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Je l'adore. En plus, il est doux, il est confort. Je suis fan. Très chouette. Allez, ciao.